C'est une première en France. Un producteur de foie gras vendéen poursuivi pour acte de cruauté. À l'origine de cette plainte, une association de défense des animaux. C'est en quelque sorte le procès du gavage des oies et canards qui s'ouvre cet après-midi à La Roche-sur-Yon. Adrien Noz et Franck Hédard. Des animaux qui semblent à l'agonie, d'autres blessés. Ces images ont été tournées en novembre 2013 par une association de défense des animaux. L'association L214 veut ainsi dénoncer devant la justice les conditions d'élevage et de gavage des oies et des canards destinés à la production de foie gras. Le gavage, clairement, est source de souffrance pour les canards. Alors bien évidemment que ces actes de maltraitance avérés, enfin, clairement sur ces vidéos, il faut qu'elles cessent. La vidéo, la société de production de foie gras, Ernest Soulard, mise en cause par l'association L214, en conteste l'authenticité. Le montage qui en est fait donne une image qui ne reflète pas du tout la réalité de nos méthodes de production. On y voit des animaux malades, on y voit des animaux morts. Les plans serrés ne sont pas tournés dans un bâtiment de chez nous. Les méthodes de production, quant à elles, sont conformes à la réglementation en vigueur. Le gavage n'est pas interdit en France. Et l'entreprise de se défendre en réaffirmant qu'elle applique depuis quelques mois les nouvelles normes européennes. Les cages individuelles ont laissé place à des cages collectives. Un foie malade, un animal maltraité ne fera jamais un bon foie gras. Si les chefs renommés travaillent notre produit, c'est que notre produit est bon. C'est du bon sens. Si la justice reconnaît le gavage comme cruauté envers les animaux, le producteur encourt jusqu'à 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Mais c'est toute la filière française qui devra s'adapter avec de nouvelles pratiques, sans doute plus coûteuses. La France est le premier producteur de foie gras au monde avec plus de 19 000 tonnes produites par an. Dans l'actualité.